Dans l'épisode du jeudi 28 octobre d'Un si grand soleil, Becker, Yvon Bach, et Janet, Tonia Kinzinger, n'ont pas passé la nuit avant leur mariage ensemble comme le veut la tradition. Elle est très excitée par cette journée. De son côté, Clément reçoit un appel de Claudine qui lui souhaite un beau mariage et qui s'excuse pour tout ce qu'il s'est passé. Il reparle de Tristan, Alain Bouzigue, il est toujours persuadé qu'il est coupable. Il raccroche. Claudine va travailler toute la journée sur l'affaire du meurtre de l'opéra pendant que Clément se prépare pour ses noces. Dans l'épreuve de l'enquête, l'avocate voit une photo d'un briquet. Elle se souvient avoir vu un ancien cliché où Tristan disposait exactement de cet objet. Elle réalise qu'il est donc le meurtrier. Elle prévient Clément qui s'empresse de la retrouver au cabinet mais elle est déjà partie. Il tente de la joindre sans succès et la cherche partout. Au mariage, tout est prêt. Janet s'inquiète. Elle appelle Alain, le témoin de Clément, qui lui indique que son fiancé est parti régler un gros problème de travail. Janet est furieuse. Face à tout le retard accumulé, Janet est contrainte d'annuler la cérémonie. Elle est déboussolée de voir que Becker privilégie sa carrière à leur union. En parallèle, Claudine débarque chez Tristan et lui révèle qu'elle sait tout. Il avoue, il dit qu'il s'agit d'un homicide involontaire. Elle veut bien le croire mais il va devoir tout assumer face au procureur. Claudine appelle celui-ci et Tristan panique, il la frappe avec une pierre. Becker sauve Claudine mais délaisse Janet dans un si grand soleil. Tristan place Claudine dans le coffre de sa voiture. Becker débarque chez son ancien ami et lui demande où se trouve son ex-femme. Tristan ment en disant qu'il n'en a aucune idée. Le policier ne le croit pas et écoute son instinct. Il braque son arme sur Tristan et ouvre le coffre, il découvre l'avocate inconsciente. Le coupable est enfin arrêté pendant que Becker accompagne Claudine à l'hôpital. Seule chez elle, Janet est anéantie. À suivre dans Un si grand soleil. Love just happened.